Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que vous savez, parfois, en début de relation, c'est-à-dire quand l'homme il est en train de te draguer, vous venez à peine de vous connaître, l'homme il est là, oui, je t'aime, oui, je veux te marier, oui, je veux qu'on fasse un enfant. C'est-à-dire que les hommes en général qui draguent dès le départ et puis sont dans beaucoup de projets là, ces hommes-là, en majorité, ils ne respectent pas. Ça veut dire qu'ils veulent juste descendre ta culotte. C'est pour ça qu'ils sont dans les projets. Donc, dès le départ, ils viennent en même temps là. Ils viennent avec un tas de projets. Oui, ma chérie, je t'aime. En tout cas, moi, je suis un homme. Je n'ai pas envie de m'amuser. Moi, j'ai envie de te marier. Moi, j'ai envie qu'on fasse des enfants. Moi, j'ai envie qu'on fasse ceci, cela. C'est-à-dire que dès le départ là, le gars commence à te mettre dans de grands, grands projets. Toi-même, tu ne comprends pas. Pourtant, vous n'avez même pas encore appris à vous connaître. Il ne te connaît même pas. Tu le connais même pas. Mais là, il est en train de te parler mariage. Là, il est en train de te parler fiançailles. Là, il est en train de te parler enfant. Ma chérie, faut pas t'emballer. Ne t'emballe pas. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, dès le départ, quand les hommes ils commencent à trop parler, ne vous emballez pas. Ne vous oubliez pas. Ne pensez pas que vous avez trouvé l'homme parfait. Parfois, c'est des plaisantins. Voilà, parce qu'en général, un homme qui vient avec beaucoup de bruit, c'est un homme qui est un plaisantin. Parce qu'un homme qui est vraiment là, qui a de bonnes intentions, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. Donc, celui qui fait du bruit au début, là, ce n'est pas forcément le bon. Lui, là, c'est juste qu'il veut t'avoir comme un trophée. Voilà, tu as comme un trophée. En fait, il veut t'avoir. Et il sait que pour t'avoir, il doit te parler mariage. Il sait que pour t'avoir, il doit te parler dot. Il sait que pour t'avoir, il doit te parler enfant. Il sait que pour t'avoir, il doit te parler vie de concubinage. Il sait ça. Il est doué. Voilà. Donc, il sait que s'il te dit ça, à 100%, tu vas te retrouver dans son lit. Donc, ne vous emballez pas, mes chéris. Ne vous emballez pas. Ceux qui font du bruit au départ, là. Non, non, non. Moi, je dis, un homme qui vient, qui commence à faire du bruit au départ, qui commence à trop promettre au départ, bon, il y en a qui respectent. Il y en a qui tiennent à leurs promesses. Mais sur 100 hommes, il y a 90, c'est des plaisantins. Ils ne tiennent pas à leurs promesses. Ça veut dire qu'après, là, quand ils ont fini de te mettre dans leur lit, une fois, deux fois, trois fois, ils commencent à changer. Donc, toi, la nana, tu es étonnée. Tu t'es dit, mais attends, je ne comprends pas. Je comprends pas. Dès le départ, il me parlait mariage. Dès le départ, il me parlait projet. Dès le départ, il me parlait enfant. Il voulait qu'on vive ensemble. Il me disait que vraiment, lui, pouvait pas attendre parce que lui n'a pas envie de s'amuser. Mais je comprends pas. Lui, au moins, ça fait 2 mois en ensemble. Ça fait 3 mois, 4 mois en ensemble. Il se comporte mal. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma chérie, c'était un plaisantin. C'était un plaisantin. Il faisait du bruit. On appelle ça du blablabla. Il y a une artiste qu'on appelle Dalida. Elle dit parole, parole, parole. Parole, parole, parole. C'est ça. Parole, parole au départ, la parole, parole. Maintenant, quand il va finir de te mettre dans son lit, il va te mougou jusqu'à ton bas-ventre, il va vibrer jusqu'à c'est lui, il va te faire 3, 4, 5 coups. Parce qu'il sait que lui-même, là-même, là, ce qu'il t'a dit, là, il ne va pas respecter. Donc, dès le départ, là, quand il t'a dit ça, et puis tu tombes dans son piège, là, tous les jours, il est dans ton bas-ventre. Toi, tu penses que c'est parce que le mec, il t'aime trop. Tu penses que c'est des signes d'amour. Le fait qu'il ait toujours envie de toi, là, tu penses que c'est parce qu'il t'aime trop. Donc, dès le départ, là, il n'y a pas un jour où vous ne faites pas l'amour. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours dans la semaine, mais vous deux, là, vous pouvez faire l'amour 5 fois, 6 fois. Donc, toi, tu es contente quand tu dis, hi! En tout cas, il me parle mariage, il me parle projet, il me dit, on va habiter ensemble, il dit, on va faire des enfants. Et puis là, j'ai dit, il a envie de moi comme ça. Quand on se voit naître, là, il a envie de moi comme ça. Je pense qu'il m'aime. Je pense qu'il est fou de moi. Eh, ma chérie, tu te trompes, hein? Tu te trompes, hein? C'est pas des signes d'amour, ça. C'est parce qu'il a envie de te bien te fracasser. Il va finir de bien te fracasser. Et puis c'est là, tu vas voir, tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est pour ça que vous dites, vous les femmes, là, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Parce que femme est trop sensible. Femme, elle est trop sensible. On arrive à trop berner une femme. Une femme, c'est qu'on lui dit dès le départ, là, comme c'est ce qu'elle a envie d'entendre, ça lui fait plaisir comme ça. Elle se laisse abattre. Elle se laisse abattre. Elle se laisse tripoter. Elle se laisse bien. On t'amène bien haut là là. Parce qu'il y a des hommes là. Il y a des hommes là, eux, quand dès le départ même vous commencez à sortir ensemble et tout, ils ont une façon même de te faire l'amour. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, un homme, quand il t'aime, toi, une femme, sa façon même de te faire l'amour, toi-même, tu sens.
Tu sens dans sa façon de faire. C'est-à-dire que quand vous vous envoyez, oh là là là, toi-même tu sens. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a des hommes, eux là, ils sont un peu maso. Ils ont envie de, ils aiment quand le oh là là est pimenté. Ils aiment quand c'est un peu brut, quand c'est un peu sauvage. Oui, il y a des gens comme ça. Mais je dis, un homme quand il t'aime, même dans son oh là là, s'il est un peu brut, il est un peu sauvage, mais tu sens l'attention, tu sens un peu la délicatesse. Même dans sa façon d'être brut, tu sens que vraiment il respecte ton corps. Tu sens qu'il prend soin de ton corps. Mais c'est juste que c'est un maso. C'est juste qu'il a besoin de pimenter un peu. Donc il est un peu brut. Il tire un peu tes cheveux. Il tape un peu tes fesses. Tout ça là, c'est parce qu'en fait, il aime ça. Mais quand il est en train de faire ça, sa façon même de taper tes fesses là, tu sens que c'est délicatement. Sa façon même de te brutaliser, tu sens que c'est délicatement. Un homme comme ça là, tu sens qu'il t'aime. Mais un homme qui va t'emmener, oh là là, lui il est en train de t'emmener, oh là là, André, il est en train de. C'est viande qui est en bas de lui. Il va te fracasser, t'emmener ici, te bousiller là. Tant. C'est-à-dire qu'il te fait des positions, il s'en fout, même si ça te fait mal, ça te fait pas mal. Et puis il y a des hommes là. Il y a des hommes là, eux là. Quand ils viennent vers toi dès le départ, là, ils sont là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, là. Quand ils sont en train de t'envoyer, oh là là, là, toi-même, la femme, tu sens que le mec, il est en train de s'emmener, oh là là, avec lui-même. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Quand ils sont en train de t'emmener, vous êtes en train de vous envoyer, oh là là, là. Le oh là là, même, tu sens que le mec, en fait, il est seul dans le oh là là. Il se fait plaisir lui-même, à lui-même. Lui-même, là, il est en train de s'emmener, oh là là, lui seul. Donc, ça dit que c'est le gars, quand il est en train de t'emmener, oh là là, sa façon de gémir, là, lui-même, il s'écoute. Sa façon de faire, là, lui-même, il s'écoute. Tellement qu'il s'aime. Il y a des hommes comme ça. Le mec, tellement qu'il se trouve beau, tellement qu'il se trouve choco, là. Quand il est en train de t'envoyer, oh là là, toi, la femme, là. Toi-même, quand tu le regardes, là, tu sens que son film, il est en train de tourner, là. Lui seul, il est dedans. Il est l'acteur principal. Il est le héros. Il est le chef bandit dans le film, là. Lui seul, il sait. Il a une façon de se tremousser, il a une façon de se regarder, il a une façon de faire là. Toi-même, tu te dis, mais attends, mais le grali qu'on est en train de faire là, normalement, le oh là là qu'on est en train de faire, c'est un partage. Il doit penser à moi si je suis satisfaite ou pas. Mais lui, non, hein, c'est à lui seul, il pense. Et puis, il y a des hommes, même là, eux là, quand ils vont t'emmener, oh là là là, ils vont t'emmener dans une chambre où il y a un miroir. Ah, c'est les hommes, les plaisantins. C'est des plaisantins, des trop grands plaisantins. Donc, ça veut dire que. Il t'envoie dans un hôtel où lui-même là, hôtel là, il y a un miroir dedans. Il y a un miroir. Donc il est en train de t'emmener, oh là là là. C'est le miroir là, il regarde. Il regarde dans le miroir, il est en train de t'emmener, oh là là, non. Au lieu de te fixer, au lieu même de te faire des gestes, de te montrer que ce qu'il est en train de partager avec toi là, il prend plaisir et puis c'est un partage là. Lui-même il est en train de t'emmener, oh là là. Et puis ses yeux sont dans le miroir. Lui-même il se regarde. C'est-à-dire que quand il est en train de faire son roucascasse comme ça, en train de faire ses jeux de rein là, tu le vois même en train de s'admirer comme ça. Toi-même, tu es en bas là. En fait, tu lui sais, tu as comme une poupée quoi en bas. Et puis lui-même, il se regarde comme ça. Lui-même, il s'admire comme ça. Lui-même, il a dit, un homme même qui fait comme ça là, c'est un plaisantin ma chérie. C'est-à-dire que si vous avez fini de vous emmener, oh là 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 là, dès que vous finissez là là, quand tu rentres chez toi là, son numéro là, tu mets sur liste érigée. Tu mets son numéro là sur liste érigée. Ça veut dire que c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. C'est quelqu'un même là, il ne va pas t'emmener quelque part. C'est quelqu'un, il ne va jamais parler projet avec toi. C'est quelqu'un là, s'il a trop fait avec toi, maximum, c'est 6 mois. 6 mois après, il disparaît. Moi, je vous dis, les hommes comme ça, il faut les éviter. Les hommes, dès le départ, lui, il va te montrer que ça veut dire que lui, il est au début avec toi comme ça. Vous n'êtes même pas encore arrivé quelque part. Dès le départ, là, il commence. Ah non! Je t'ai appelé là, pourquoi tu n'as pas décroché? Hein? Depuis que je t'appelle là, tu ne décroches pas, pourquoi? Tu es en train de faire quoi? Ça veut dire qu'il va t'appeler 20 fois par jour. Et puis, c'est un début de relation. Hein? Ça veut dire que vous venez à peine de vous connaître. Vous venez à peine de vous connaître. Mais le mec, il va t'appeler 30 fois par jour. Il t'appelle seulement. Dès qu'il finit, il t'appelle. Dès qu'il finit, il t'appelle. Ça veut dire que ton téléphone là même, là, c'est lui qui fait sonner seulement. Quand il t'appelle que tu es en ligne avec quelqu'un là, il va péter un câble. Mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris pourquoi? Tu es en ligne avec qui? Mais qui est cette personne la plus importante que moi? Pourquoi tu n'as pas décroché? Mais je t'appelle, tu ne réponds pas pourquoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de... Ça veut dire qu'il groupe ta vie comme ça. Ton quotidien là, il groupe ça comme ça. Tu n'as même plus... En fait, tu n'as même plus de maîtrise. Toi-même, tu ne maîtrises plus ta vie. C'est le gars, là, il groupe ta vie comme ça. Un gars qui fait ça, là, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Il te fait, c'est-à-dire qu'en fait, il veut te dominer.
Lui veut te dominer. Parce qu'il cherche une personne à dominer. Donc, il est en train de te dominer. Mais en réalité, là, il ne t'aime pas. Donc, vous les femmes, parfois, quand vous voyez des signes comme ça, vous pensez que c'est parce que ces hommes-là, ils vous aiment. Tu dis, il m'aime trop. Il est jaloux comme ça, il m'aime trop. Non. Ça, c'est pas l'amour. Il veut te dominer. Voilà, c'est de l'obsession. Il veut te dominer. Donc, un homme qui fait ça, là, dès le départ, là, faut comprendre que lui, là, il ne t'aime pas. C'est un plaisantin. C'est quelqu'un même de possessif. Voilà. Faut comprendre les choses. Faut pas comprendre les choses à l'envers. Comment, quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent que un homme t'aime? En fait, un homme qui aime une femme, il n'est pas dans les grandes déclarations. Non. Un homme qui aime une femme, il est dans les actes. En fait, c'est les actes qui te posent là. C'est là, toi, la femme, tu sens que le mec, il est fond de toi. Le mec, il t'aime. Sinon, les déclarations, bébé, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé, je t'aime là, ça, c'est rien du tout. Un homme qui te chante tous les jours dans les oreilles, bébé, je t'aime, c'est pas parce qu'il t'aime. Est-ce que toi, tu vas faire quoi, bébé, je t'aime là? Toi, tu veux les actes. Quels sont les actes? C'est les actions. Quels sont les actes qu'il pose? Dans, vous êtes ensemble là, il fait quoi? Est-ce qu'il s'intéresse à toi? Est-ce qu'il s'intéresse même à ta personne? Est-ce qu'il s'intéresse à ton quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un même qui est attentionné? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle projet avec toi? Est-ce que c'est une personne même qui a envie de partager son quotidien avec toi? Est-ce que c'est une personne qui te présente à ses proches? Est-ce que c'est une personne qui est prête à vouloir te mettre parmi ses proches? En fait, est-ce que tu vois que le mec, il est attentionné? Non. Mais il est là seulement, bébé, je t'aime. Il n'est pas attentionné. Bébé, je t'aime. C'est-à-dire que toi-même, tu ne le sens pas dans la relation. Mais il va te dire, bébé, je t'aime. Mais tu vas faire quoi, bébé, je t'aime? Bébé, je t'aime. Et puis, les actes ne suivent pas. Les actions ne suivent pas. Est-ce que ça, c'est un vrai bébé, je t'aime? On a quand même dit la vérité, mes chéris. Est-ce que ça... Parce qu'un homme, quand il aime une femme, il a envie de lui faire plaisir. Un homme, quand il aime une femme, il veut vraiment... Il la voit heureuse. Donc, il est tout le temps en train de vouloir lui faire plaisir. Voilà, en fait, il pose des actes. Voilà, c'est un homme même, ça dit que ton anniversaire, il ne va jamais oublier. Le jour de ton anniversaire, là, il ne va jamais oublier. Ta date d'anniversaire, il ne va jamais oublier. Ton prénom même là, ton prénom même qu'on ne t'appelle pas avec là, lui connaît ça. En fait, il s'intéresse tellement à toi, à ta personne, qu'il sait tout sur toi. Et puis, il sait ce qui te fait plaisir. En fait, c'est ça. Un homme qui aime une femme, il cherche à lui faire plaisir. Mais un homme qui ne cherche pas à te faire plaisir, c'est un homme qui ne t'aime pas. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est un homme qui ne t'aime pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Un homme, quand il t'aime, en fait, il ne sait pas ce qu'on appelle l'orgueil. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui disent, oui, moi, mon homme, il m'aime, mais il est trop orgueilleux. Un homme, quand il est fin, là, il ne connaît pas orgueil. Garçon, quand il est fin, il ne connaît pas orgueil. Non. Il va te montrer même qu'il t'aime. Il va manifester son amour. Il va te prouver qu'il t'aime. Qu'est-ce que vous appelez orgueil? Un homme qui n'aime pas amoureux, un homme qui n'aime pas une femme, c'est lui qui parle d'orgueil. Quand un garçon dit je suis orgueilleux, là, c'est qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, là, il allait oublier orgueil. Orgueil, c'est quoi? Est-ce qu'amour connaît orgueil? Est-ce qu'amour connaît orgueil? On n'a pas dit que oui, s'il n'a pas raison, s'il a tort, s'il a raison, qu'il va demander pardon, ça on appelle un homme qui n'a pas d'orgueil. Parce que c'est pas parce qu'un homme t'aime. Il ne doit pas avoir de caractère. Parce que nous, les femmes, en général, on aime les hommes qui ont du caractère. On n'aime pas les hommes trop mous, trop doux, là. Nous, on n'aime pas. Trop sucré, là. Nous, on n'aime pas. Donc, on aime les hommes qui ont du caractère. Donc, un homme qui t'aime, il peut t'aimer, vouloir te faire plaisir, mais il va te montrer son caractère. Ça veut dire que s'il n'a pas tort, que c'est lui qui a raison, il ne viendra pas te demander pardon. Il ne viendra pas s'excuser. Parce qu'en fait, c'est lui qui a raison. Il va attendre que toi, tu viennes lui demander pardon. Il va attendre que toi, tu t'excuses. Mais tu es avec un homme. Il se fout de toi. Il pose des actes de foutaise. Il te blesse. Il te fait mal. Et puis, il ne vient pas te demander pardon. Il ne s'excuse pas. Il dit, oui, moi, j'ai mon orgueil. Je suis un homme, je suis orgueilleux. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Il ne t'aime pas tout simplement. Il ne t'aime pas tout simplement. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu es en froid avec ton homme, et que c'est ton homme qui a fauté, c'est ton homme qui s'est foutu de toi, qui t'a manqué de respect, qui t'a blessé. Si cet homme-là, il ne vient pas vers toi pour s'excuser, toi, tu restes dans ton coin. Tu restes dans ton coin. C'est pas à toi de l'appeler pour t'excuser. Tu t'excuses de quoi, ma chérie? Est-ce que tu as tort? Est-ce que c'est toi qui as fauté? Est-ce que dans cette histoire-là, c'est toi qui t'es foutu de lui? Non. C'est plutôt lui qui s'est foutu de toi.
Mais pourquoi tu t'excuses, ma chérie? Tu t'excuses de quoi? Parce que quand vous êtes dans votre relation, excusez-vous quand vous avez tort. Excusez-vous quand vous n'avez pas raison. Ne vous excusez pas n'importe comment. Parce que vous êtes dans la peur de perdre. Vous êtes dans la peur de perdre. Un homme, quand il aime une femme, il a peur de la perdre. Alors, quand il sait qu'il a blessé, il vient présenter ses excuses. C'est comme ça. Mais un homme qui te blesse, qui ne se dit même pas qu'il doit te demander pardon, qui ne se dit même pas qu'il t'a blessé, que tu es mal dans ta peau, alors il doit venir se comporter d'une façon pour que tu oublies ce qu'il t'a fait. Un homme qui ne fait pas ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est avec toi comme ça, mais il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime, c'est un homme en fait qui n'a pas besoin de trop faire. En fait, les moyens qu'il a, lui, il cherche à poser des actes. En fait, quand il veut te faire plaisir, il ne se dit pas que non, ma chérie, pour lui faire plaisir, il faut que je lui achète une voiture, une Ferrari, un Range Rover. Non. Il se dit, mais avec les mêmes moyens que j'ai, malgré ce que j'ai, je vais quand même lui faire plaisir. Ça veut dire qu'il est toujours en train de poser des actes. Il est toujours en train de faire quelque chose. Même si ce qu'il te donne, ça n'a pas de valeur. Mais en fait, c'est le geste. C'est l'attention. Voilà, tu sens que le mec, c'est vrai, il n'a pas assez de moyens. Mais il fait de son mieux. Il est toujours en train de tout faire pour que tu sois heureuse. Pour te montrer qu'il tient à toi, il t'aime. Voilà, c'est ça qu'on appelle un homme même. Mais un homme même qui ne cherche même pas à te faire plaisir. Un homme même qui ne cherche même pas à... En fait, les moments importants dans ta vie... C'est rien pour lui. Le jour de ton anniversaire, ça passe comme bonjour. C'est-à-dire que quand c'est ton anniversaire, là, il sait que c'est ton anniversaire. Mais c'est comme un jour ordinaire. C'est toi-même, tu vas lui dire, « Ah, mais aujourd'hui, là, tu ne sais pas que c'est mon anniversaire. » Et puis, tu ne me dis rien. Tu es... C'est comme quelque chose de neuf. Va dire, « Ah, mais j'ai oublié. » Toi aussi, j'ai oublié. Est-ce que je suis obligé de me rappeler de ton anniversaire? Si c'est ton anniversaire, tu me dis que c'est ton anniversaire. Est-ce que tu as besoin de parler? Voilà, un homme comme ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce qu'en fait, si tu veux, il ne s'intéresse pas à ta personne. Il ne s'intéresse pas à toi. Il ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui peut te faire plaisir. Un homme qui fait ça, il ne t'aime pas. Mais un homme qui, le jour de ton anniversaire, te montre que c'est un jour spécial. Un homme qui est, franchement, qui prend tout, en fait, pour lui... Les moments les plus importants dans ta vie, c'est aussi important pour lui. Donc, en fait, il transforme ça en bonheur pour toi. Un homme comme ça, il t'aime. Vous avez compris? Un homme avec qui tu parles, c'est-à-dire que quand vous parlez, quand vous communiquez, l'homme, tu ne sens même pas de projet dans sa bouche. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de parler, là, il ne te parle même pas projet. En fait, il ne se voit même pas avec toi dans le futur. Quand toi, par exemple, tu lui parles un peu projet, il se dit, « Ok, on va voir. » Si toi et moi, dans un an, dans deux ans, si on est toujours ensemble, ouais, on va faire ce projet-là, on va peut-être se fiancer, on va peut-être se marier, on va peut-être vivre ensemble. Ouais, si on est toujours ensemble, ça veut dire que quand vous parlez projet, quand tu es en train de parler projet avec lui, il te dit, si on est ensemble, ça veut dire que dans le futur, si on est ensemble, ok, il n'y a pas de problème. Un homme comme ça, il ne t'aime pas. Parce qu'en fait, il ne se voit même pas avec toi dans le futur. Donc, quand tu parles du futur, il te dit, ouais, si on est toujours ensemble, on va voir si on est toujours ensemble. Voilà, il se désintéresse même à ce que tu dis. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est avec toi comme ça. Il n'a même pas de projet sur toi. Il n'a même pas de projet même avec toi. Voilà. Et puis, un homme avec qui tu es, quand tu es en train de parler même du futur, quand tu es en train de parler de quelque chose, sa tête, là, il enlève ça, il emmène ça ailleurs. Il emmène ça ailleurs. Il ne veut même pas même que tu parles projet avec lui. Il ne veut même pas que tu parles ambition même avec lui. En fait, il ne veut rien partager même avec toi, quoi. Ton quotidien, là, il te montre que ton quotidien à part, lui, son quotidien à part. Un homme comme ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais un homme qui, quand tu parles projet, il contribue. Il te dit, oui, chérie, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Lui-même, il te donne son avis. C'est-à-dire que vous parlez, même si c'est quelque chose dans le futur, mais vous préparez ça ensemble. Cet homme, il est en train de te montrer qu'il se voit avec toi dans le futur. Il se projette avec toi dans le futur. Toi-même, la femme, quand un homme avec qui tu es, il est en train de parler comme ça, tu sens que cet homme-là, c'est un homme qui est avec toi, qui t'aime. C'est un homme, en fait, qui a besoin de rester avec toi. C'est un homme qui a envie de partager sa vie avec toi. C'est ça. Mais un homme qui ne fait pas ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Un homme qui s'énerve à chaque fois que tu parles projet, il ne t'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne t'aime pas. Un homme avec qui tu es, ça veut dire que cet homme-là,
quand tu n'as pas de boulot, ou bien quand tu es en train de passer une formation, ou bien tu as un concours à passer, tu as des examens à passer, en fait, tu as quelque chose de très important à faire dans ta vie. Cet homme-là, tu sens même qu'il ne t'encourage pas. En fait, il se désintéresse même quoi. Il se désintéresse à ce que tu es en train de faire, ce truc vraiment important pour toi là, que tu es en train de faire là. En fait, il se désintéresse, il ne t'encourage pas. Quand tu as perdu ton boulot, bon, bœuf. Quand tu es en train de passer un concours, quand il y a quelque chose d'important ou toi-même tu es découragé ou tu as besoin que quelqu'un te booste, il ne te booste pas, il ne t'encourage pas. Un homme comme ça, il ne t'aime pas. Mais quand tu es avec un homme qui est tout le temps en train de t'encourager, ça veut dire que quand tu perds espoir, lui te dit que ça va aller. Il te dit que tu peux y arriver. Il est tout le temps en train de te booster. Il est tout le temps en train de te dire, bébé, t'inquiète pas. Tu as perdu ton boulot, faut pas t'inquiéter. Tu vas trouver un autre. Voilà, faut faire des entretiens, faut postuler. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu es en train de passer ton concours, chérie, faut bosser. En fait, un homme qui t'encourage, toi-même, tu sens que c'est un soutien. Tu sens que cet homme, il est en train de t'encourager. Dans tout ce que tu fais, cet homme-là, il t'aime. Il t'aime. Mais un homme qui ne fait pas ça, il ne t'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Il ne t'aime pas. En fait, il s'en fout même de ce que tu fais. Il s'en fout même de ta joie. Il s'en fout de ton bonheur. C'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, quand vous êtes ensemble, quand vous partagez des moments ensemble, tu le sens toujours absent. Tu le sens toujours triste. Parce qu'un homme, quand il est amoureux, un homme, quand il t'aime, quand il est amoureux là, quand tu es avec lui là, ça se voit. Ça se voit. Un homme quand il est amoureux, il est heureux. Quand il est avec toi, il est heureux. Toi-même, tu sens son bonheur. Tu sens sa joie quand il est avec toi. Quand tu le regardes, tu sens même ses yeux briller. Un homme quand il est amoureux, c'est ça. Quand il est avec toi, il est heureux comme ça. Il est content même de passer ces moments-là avec toi. En fait, il te montre que le moment que vous passez ensemble, les moments que vous passez ensemble, c'est des moments agréables. Il te montre ça. Toi-même, tu vois son bonheur, tu vois la joie qui l'anime, tu vois un peu comment il est bien avec toi, comment il est bien à tes côtés. Tu sens, ça se voit, ça se sent. Mais un homme avec qui tu es, quand vous passez des moments ensemble, son visage est toujours serré. Quand il est avec toi, tu sens même qu'il est absent. En fait, c'est comme si le fait même d'être ensemble là, c'est comme si on le forçait. Il est pressé même que à ce que ce temps-là finisse pour partir. Il est ailleurs. Son visage même est serré. Il est toujours en train de se plaindre. Quand vous êtes ensemble, il se plaint. Tout ce que tu fais, il se plaint. Il ne fait que te faire des reproches. Mais pourquoi tu fais ça comme ça? Non, mais pourquoi tu fais ça? Oh, mais tu aimes trop ça. Mais tu veux quoi? Oh, mais il est toujours en train de se plaindre. Pourtant, vous êtes en train de passer des moments très importants pour toi. C'est-à-dire que c'est important pour toi. Il est censé être heureux. Mais tu vois qu'il n'est pas heureux. À chaque fois qu'il est avec toi, tu sens qu'il n'est pas heureux. Tu sens qu'il se plaint trop. Tu sens qu'il ne rit pas. Il ne rigole pas, il ne sourit pas. Tu vois même pas de bonheur, de joie sur son visage. Mais vous êtes ensemble. Toi-même, ça veut dire que quand tu es avec lui, tu te fais petite comme ça parce que tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. C'est comme si les moments que vous êtes en train de passer ensemble, c'est comme si tu étais en train de le forcer. Donc toi-même, tu es mal à l'aise. Et ça t'emmène, toi, à beaucoup faire. C'est toi qui es tout en train de faire. Tu vas toujours vers lui. Tu lui fais des propositions. Tu fais ça. Parce qu'en fait, il te montre qu'il est avec toi. Ça ne lui fait pas plaisir. Ça ne le rend pas heureux. En fait, c'est une torture pour lui. C'est comme si tu le forçais. Un homme qui se comporte comme ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est avec toi comme ça parce qu'en fait, pour le moment, il est avec toi. Mais quand il va trouver mieux, il va partir. Il va te laisser. Il ne se voit même pas avec toi. Un homme même, ça veut dire que ça ne lui vient même pas en tête de faire des sorties. Sortir, voyager un peu, aller un peu dans des endroits, être un peu ensemble, partager des moments ensemble. Lui, ça ne lui dit rien. Quand tu lui parles même de sortir, quand tu lui parles même d'aller manger, tu lui parles d'aller ici, là, il va gonfler son nez comme ça. Il va gonfler son nez comme ça pour dire, mais attends, je suis fatigué. Je suis fatigué, il y a quoi? Tu veux qu'on sorte? Est-ce qu'on est obligé de sortir? Est-ce que toi et moi, on est obligé de sortir? On est à la maison, là, ça ne te suffit pas? Ou bien on est ensemble ici, là, ça ne te suffit pas? Tu veux qu'on sorte, pourquoi? Tu veux qu'on parte faire ça, pourquoi? Tu veux... Ça veut dire que... Il n'a même pas envie de sortir avec toi. Il n'a même pas envie de partager des moments avec toi. En fait, le fait même de sortir, le fait même d'aller au restaurant, le fait même d'aller à l'invitation d'un ami,
qui est en train de fêter son anniversaire, qui est en train de fêter son baptême. Toi, on t'a invité. Tu aimerais bien que ton chéri soit avec toi, qu'il t'accompagne. Mais c'est une torture pour lui. Il te montre qu'il n'a pas envie de partir. Et même quand tu insistes, qu'il le fait malgré lui-même. Mais quand vous arrivez là-bas, mais il a un comportement, il a une façon de faire. Toi-même, tu as peur. Toi-même, là, tu es venu à la fête et lui, là. Tu es mal. Tu te sens mal. Tu es gêné comme ça. Tu es gêné comme ça. Tu as peur même de venir lui parler. Tu as peur même de venir jouer avec lui. Parce que tu ne sais pas s'il va te mettre mal à l'aise. Tu ne sais pas s'il va t'ennuyer devant tes amis, devant tes proches. Donc toi-même, tu es dans ton coin comme ça. Tu es petite. Tu es venue avec lui là. Mais tu es petite même. C'est-à-dire que les gens qui sont à la fête sentent même le malaise. Les gens qui sont là même sentent que tu n'es pas à l'aise. Sentent que la relation, le couple est un peu bizarre. Ce n'est pas un couple uni. Un homme qui se comporte comme ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ce n'est pas de l'amour. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne sont pas expressifs. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne montrent pas leurs sentiments. Il y a des hommes qui sont beaucoup timides. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des hommes, quand ils étaient petits, on leur a montré qu'un homme ne doit pas montrer ses sentiments. Un homme ne doit pas montrer ses sentiments. Un homme doit intérioriser ses sentiments. Et donc cet homme-là, il a grandi comme ça avec. Depuis jeune, on lui disait ça. Donc il a grandi avec. Ça fait que quand il est dans sa relation, il ne montre pas ses sentiments. En fait, ses sentiments, il les laisse à l'intérieur de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire « je t'aime ». Ce n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer un message pour dire « bébé, tu me manques ». Non, il ne dit pas ça. Mais lui, il n'est pas expressif. Mais lui, il pose des actes. Ça veut dire que c'est les actions qu'il pose. Il fait des choses, il ne te dit pas qu'il t'aime, hein? Mais le comportement qu'il a là, façon il est attentionné, façon il te fait plaisir, façon il s'intéresse à toi, façon même ton entourage, il s'intéresse à ton entourage. C'est quelqu'un qui te montre que ton entourage même l'intéresse, ta famille l'intéresse, tes amis l'intéressent, ton quotidien l'intéresse, mais ça ne sort pas de sa bouche. Il ne te dit pas qu'il t'aime. Cet homme-là, il t'aime. Il t'aime. Parce que moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça le problème des femmes. Vous savez, la femme, elle communique beaucoup. Parce que nous, les femmes, c'est ça. On se dit, mais nos hommes ne communiquent pas. Nos hommes ne parlent pas beaucoup. C'est nous, les femmes, qui parlons beaucoup. En fait, c'est ça. Nous, les femmes, on parle. Nous, les femmes, on communique beaucoup. Mais les hommes, ils ne communiquent pas. Un homme qui est amoureux, il ne communique pas. Une femme qui est amoureuse, elle va manifester son amour. Elle va beaucoup le dire. Elle va beaucoup parler. Elle va beaucoup faire des gestes. Ça, c'est la femme. Mais l'homme, quand il est amoureux, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Lui pose des actes. C'est comme ça qu'on voit si un homme t'aime ou pas. Mais nous, les femmes, malheureusement, on aime les beaux parleurs. On aime les hommes qui nous disent tous les jours, tous les 2 heures, tous les 30 minutes, « Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Tu sais, tu m'aimes. Je t'aime, bébé. » Tu sais que je t'aime? Il va t'envoyer un message. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Et toi, en fait, tu te contentes de ça et ça te fait plaisir. Et le fait qu'il te dise je t'aime, je t'aime, toi, tu te dis que c'est bon. Mais le comportement ne va pas avec. Mais comme il te dit qu'il t'aime, donc tu es là, tu dis, ben, il me dit qu'il m'aime, c'est le plus important. Non. Toi, la femme, tu ne dois pas regarder ça. Il ne faut pas regarder la bouche, les paroles. Non. Il faut regarder les actes. C'est les actes. C'est comme ça une femme doit savoir si un homme l'aime ou pas. Parce que c'est comme ça que vous vous trompez. Vous restez avec des beaux parleurs, des hommes qui se foutent de vous, des hommes qui ne s'intéressent pas à vos quotidiens, des hommes qui s'en foutent de vous. Mais ils sont là, ils vous disent « je t'aime, je t'aime » parce que c'est ce que vous voulez entendre. Moi, je dis le « je t'aime » d'un homme. Les hommes, tous les hommes peuvent dire « je t'aime ». Mais ça sert à quoi de dire « je t'aime » à une personne quand ça ne vient pas du cœur, quand ce n'est pas sincère? Ça sert à quoi? Moi, je préfère être avec un homme qui ne me dira pas tous les jours « je t'aime », mais qui va poser des actes, qui va me montrer par les actes qu'il pose, qu'il m'aime, qu'il tient à moi, que je suis une personne très importante pour lui. Moi, je préfère ça plutôt que de rester avec un homme qui va me chanter tous les jours, qui va m'emmener 1000 textos pour me dire qu'il m'aime. Et puis, le geste ne va pas avec. Les actions ne vont pas avec. Les actes qu'il pose ne vont pas avec. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est dans les films qu'on voit ça. C'est dans les films qu'on entend parler les hommes. Oui, je t'aime, je t'aime. Ça, c'est les films. Moi, je vous dis toujours, ne prenez pas les films pour rendre ça réel. Ça, c'est des films, c'est des scénarios. En fait, ils font des choses, ils montrent des scènes pour nous faire rêver. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Un homme qui ne s'intéresse même pas à ta personne. Un homme qui n'a même pas envie de te présenter à ses parents. Un homme qui n'a même pas envie de te présenter à ses proches. Cet homme-là ne t'aime pas. Parce qu'un homme, quand il aime une femme, il a envie de. Il est pressé comme ça, il a envie de la présenter à ses proches. Il a envie de. Même si
D'un premier temps, il ne t'envoie pas chez ses parents parce qu'il y a des parents qui sont très stricts, il y a des parents qui sont très compliqués. On respecte. Mais d'un premier temps, cet homme-là va te présenter à son entourage. Ça veut dire ses amis proches, les personnes qui lui sont très importantes. Même s'il ne te présente pas à son père ou à sa mère, mais il va te présenter à son frère. Il va te présenter à sa soeur. Ça au moins, c'est-à-dire que je veux dire, ça c'est le minimum. C'est-à-dire quand un homme même déjà, il commence à se comporter comme ça, tu sais qu'il t'aime. Il te respecte. Mais un homme avec qui tu sors, depuis combien de mois tu sors avec lui? Personne ne te connaît. Ses proches ne te connaissent pas. Ses parents ne te connaissent pas. Mais vous êtes dans la relation. Quand tu lui dis, chérie, c'est-à-dire que lui, quand il y a une fête de son côté, quand il a des amis qui ont une fête et tout, il est invité, il ira toujours seul. Il n'ira pas avec toi. Toi, tu ne comprends pas. Tu es là, il te dit non, mais j'ai envie de rester avec mes amis. C'est un moment avec mes amis. Oui, ça, je peux comprendre. Ça veut dire que si de temps en temps, comme ça, toi, l'homme, tu as envie de te retrouver avec tes amis, c'est normal. Mais quand ça devient une habitude, ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois aller quelque part, à chaque fois que tu dois aller partager des moments avec tes proches, tes amis, ton entourage, si tu dois me laisser comme ça à l'écart à chaque fois, ça c'est dangereux, c'est mauvais signe. Ça c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il n'a même pas envie que ses proches te voient. Il n'a même pas envie que ses proches fassent connaissance avec toi. Non, non, non. Parce qu'il ne se projette pas avec toi. Il ne te voit pas dans le futur. Un homme qui se comporte comme ça, il ne t'aime pas. Non. Arrêtez de rêver, mes chéris. Observez. Observez. Observez quand vous êtes dans une relation. Ayez le courage d'observer. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face tous les jours. Arrêtez de vous faire une raison de rester dans quelque chose. Vous êtes consciente qu'on ne vous aime pas. Vous êtes consciente qu'on ne vous considère pas. Mais parce que vous aimez, parce que vous êtes amoureuse, vous restez dans la relation et vous souffrez tous les jours. Vous souffrez tous les jours. Vous comprenez? Et ça, c'est dangereux. Un homme avec qui tu es, un homme qui aime ça, qui aime une femme, cet homme-là, il est jaloux. Il est jaloux. Ça veut dire qu'un homme qui est jaloux, c'est un homme qui aime sa femme, qui aime la femme avec qui il est. C'est un homme qui aime sa chérie. Mais quand la jalousie, elle est modérée, ça veut dire qu'elle est contrôlée. Quand il sent que c'est normal, la jalousie normale, il va te manifester sa jalousie, son mécontentement. Quand il sent qu'il y a quelqu'un qui commence à être trop, près de toi, quand il voit que oui, c'est-à-dire que c'est un homme qui est jaloux, c'est normal parce qu'il t'aime, il a peur de te perdre, mais c'est une jalousie modérée, vous comprenez? Voilà, c'est un homme qui te fait parfois des reproches, c'est un homme qui te dit, qui t'interdit parfois des choses parce qu'il a peur de te perdre. En fait, ça reste modéré. Ça reste modéré. Mais un homme qui est d'une jalousie maladive, un homme qui t'éloigne de tout le monde, un homme qui te met à l'écart, qui ne veut même pas que tu fréquentes tes amis, qui ne veut même pas que tu fréquentes des gens, qui ne veut même pas que tu aies des amis, en fait, qui t'isole, un homme qui est en train de t'isoler, un homme qui est en train de prendre le contrôle même de ta vie, qui t'interdit tout, qui est hystérique, cet homme-là, il ne t'aime pas. En fait, il est dans la dépendance affective. Et ça, ça devient très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Qu'un homme devient dépendant affectif, ce n'est pas de l'amour. Là, il veut te posséder. Et il va en fait, tu perds même ta liberté. Tu ne vis plus. Tu subis. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans une relation et tu te retrouves dans une telle situation, s'il te plaît, dès maintenant, tu mets quatre sur table. Tu montres à cet homme-là que toi aussi, tu as ta vie. Toi aussi, tu as ton espace. Que ton épanouissement ne vient pas forcément de lui. Tu as besoin aussi de ton entourage. Tu as besoin de ton quotidien. Tu as besoin de ton épanouissement personnel. Tu as besoin de faire des choses toi-même. Ce n'est pas lui seulement ton centre d'intérêt. Ce n'est pas lui seulement qui fait partie de ta vie. Non, il fait partie de ta vie, mais tu as aussi ton monde à toi. Tu as aussi ton entourage. Tu as aussi tes proches. Tu as aussi tes besoins. Tu as aussi tes activités. Tu as aussi tes loisirs. C'est ça. Mais quand tu es avec un homme qui te montre que tu n'as plus de loisirs, qui te montre que c'est lui qui t'impose tes loisirs, c'est lui qui t'impose tout, qui t'interdit tout, qui te met mal à l'aise, en fait, qui commence à diaboliser ton entourage, qui commence à te monter contre ton entourage, qui te monte même contre ta famille. Cet homme-là, il ne t'aime pas. C'est un pervers narcissique. Et ça, ce thème-là, je vais parler de ça un jour. Les pervers narcissiques. C'est-à-dire que ça, c'est des hommes, c'est des manipulateurs. Tu penses qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Ils s'aiment eux-mêmes.
En fait, c'est des personnes qui s'aiment eux-mêmes. C'est des grands manipulateurs. Mais ce thème-là, je vais aborder un jour. Vous allez mieux comprendre les pervers narcissiques. Vous avez compris? Donne-toi une femme. Quand tu es dans une telle relation, ne te dis pas que mon homme, il m'aime à la folie. Et il est jaloux comme ça. Et il ne veut même pas que je parle avec tel ami. Il ne veut pas que je parte voir tel ami. Il ne veut pas que je fasse ça. Mon homme, il m'aime trop. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est dangereux. Parce qu'en fait, ce genre de sentiment, ça se termine toujours mal. Parce que c'est quelqu'un qui peut te faire mal. C'est quelqu'un qui peut te faire du mal. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un manipulateur. Il te montre qu'il t'aime, il ne t'aime pas en réalité. Il s'en fout même de ta personne. Il s'en fout de ton épanouissement. Il s'en fout de ton bonheur. Il s'en fout de ta joie. En fait, lui, il pense qu'à lui sa joie. Il pense qu'à lui son bonheur. Toi, ton bonheur, il n'en a rien à foutre. Un homme comme ça, il ne t'aime pas. Faites attention, mes chéris. Faites très attention. Vous avez compris? Un homme qui t'aime, c'est un homme qui veut ton bonheur. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui veut te voir heureuse. Alors cet homme-là, quand il sait que tes amis qui sont là, il sait que tes proches qui sont là, ce sont tes proches que tu aimes vraiment, qui te tiennent à cœur. Quand tu es avec ces personnes-là, tu es heureuse. Cet homme-là, il veut toujours que tu sois avec ces personnes. Parce qu'en fait, si tu veux, ton bonheur, il partage ton bonheur avec lui. Quand tu es heureuse, ça se voit dans ses yeux qu'il est, il aime te voir heureuse. Il aime ça. Lui, sa priorité, c'est que tu sois toujours heureuse. Mais un homme avec qui tu es, qui n'aime pas te voir heureuse, quand tu es heureuse, ça le met mal à l'aise. C'est-à-dire que si tu as eu du boulot, il boude. Quand tu as du boulot, par exemple, tu es contente, tu as envie de partager ton bonheur avec lui, ta joie avec lui, il est froid. Il est froid. Il te regarde comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie que tu sois heureuse. Il n'a pas envie que tu sois indépendante. Il n'a pas envie que tu sois épanouie. Il veut que tu restes là. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Il veut rester là comme ça. C'est toi qui es là. Tu es tout le temps en train de souffrir. Et puis lui, il est heureux. En fait, tu vis dans son ombre. Tu vis dans son ombre. Un homme comme ça, il ne t'aime pas. Ce n'est pas ça de l'amour. S'il vous plaît, mes chéris. Ce n'est pas ça de l'amour. Un homme qui se comporte comme ça, tu quittes dans la relation. Tu pars de la relation. Parce que c'est un homme qui va te pourrir la vie. C'est un homme qui va faire que tu vas perdre estime de toi-même. En fait, tu vas perdre le contrôle de toi-même, ta vie. Tu n'auras plus confiance en toi. À ta personne, tu n'auras plus confiance. Et tu vas rester là, tu seras mal dans la relation. Tu vas subir dans la relation. Et tu seras là, tu ne pourras pas te débarrasser de cet homme-là. Ça, c'est dangereux. Cet homme-là, il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime, c'est pas celui-là qui a toujours envie de toi. Parce que nous les femmes, parfois quand on est dans notre relation, le fait que nos hommes parlent que sexe, le fait que tous les jours, les sujets de conversation tournent autour du sexe, le fait que tous les jours, le mec il te parle que sexe, parfois nous les femmes, on se dit que bon, si ton homme il est tout le temps en train de parler sexe, si ton homme, à chaque fois que vous voyez, il a envie de toi, c'est parce qu'il t'aime. Non. Non, non, non. Un homme avec qui tu es, qui est trop basé sur le sexe, qui est trop sur, dans le fait des sexes, c'est-à-dire que c'est le sexe seulement qui l'intéresse. Ça veut dire que quand vous êtes ensemble, tout de suite, vous partez faire l'amour. Tout de suite, là, vous partez vous envoyer oh là là. Quand vous finissez de vous envoyer oh là là, tu vois qu'il n'y a plus de conversation. En fait, il n'y a plus de sujet. Quand vous n'avez pas encore fait l'amour, quand vous ne vous êtes pas encore envoyé oh là là, il y a des sujets de conversation. Mais une fois que vous vous envoyez oh là là, il n'y a plus de sujet. Il n'a plus rien à te dire. Parce que si tu veux, il résume votre relation au sexe. Il n'y a que le sexe qui l'intéresse dans la relation. Donc c'est que le sexe qui l'intéresse. Ça veut dire que c'est ton corps qui l'intéresse. Ta personne ne l'intéresse pas. Ton quotidien ne l'intéresse pas. Tes projets, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut juste du sexe. Alors, un homme qui est comme ça, il ne t'aime pas. Toi, cette femme-là, si tu es avec lui, il faut que tu lui parles. Il faut que vous ayez une discussion. Il faut que vous ayez une communication. Il faut lui montrer que tu n'aimes pas cette façon-là. Voilà. Cette tournure que votre relation prend, tu n'aimes pas. Parce qu'en fait, toi, tu n'es pas dans la relation juste pour le sexe. Toi, en fait, tu attends plus de la relation. Tu mérites encore mieux. Et tu es encore... Tu peux plus... Tu es mieux que le sexe. En fait, il faut lui montrer ça tout de suite. Parce que c'est ça. Vous êtes dans votre relation, vous êtes avec des hommes que vous aimez, mais qui sont tellement... Comment on peut dire ça? Le mot ne me revient pas. En fait, qui sont tellement sur le sexe, que vous-même, ça vous fait... Ça, en fait, arriver à un certain moment, ça vous met mal à l'aise.
Vous ne vous sentez plus bien. Parce que vous êtes gêné. Le fait que ce soit toujours le sexe. Mais vous n'arrivez pas à parler. Vous n'arrivez pas à parler. Pourquoi? Parce que vous avez peur de le perdre. Vous dites que si je lui parle, peut-être qu'il va se fâcher. Il va me quitter. Non. Non. C'est pas parce que toi, une femme, tu as peur de perdre un homme que tu vas perdre ta personnalité, que tu ne pourras plus parler si ça ne va pas dans la relation, si cette façon de se comporter ne te convient pas, que tu ne peux pas parler, ça ne sert à rien. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, la communication dans un couple, c'est très important. Alors, communiquer, ce n'est pas faire des histoires. Communiquer, ce n'est pas se disputer. C'est de parler de façon pacifique. C'est de parler dans le respect. C'est de dire ce qui ne va pas dans la relation. Alors quand on communique avec son chéri, quand on veut lui faire comprendre ce qui ne va pas dans la relation, on ne lui fait pas un tas de reproches. On ne se victimise pas. On ne se fait pas pitié parce qu'il en est conscient. Il est conscient de ce qui se passe dans la relation. Il est conscient de ce qu'il fait dans la relation. Donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin de lui faire des reproches. Tu n'as pas besoin de te faire pitié. Tu n'as pas besoin de te victimiser. Non, non, non. Tu as besoin de dire ce qui ne va pas dans la relation. La blessure qu'il y a dans la relation, c'est ce que tu vas exprimer. Pour qu'il comprenne que cette relation est en train de se dégrader. Et que cette façon de faire, toi, ça ne te convient pas. Ça te rend plus heureuse dans la relation. Il faut faire comprendre à ton homme que, vraiment, je ne suis plus heureuse dans la relation. Alors, vraiment, je te parle pour que si tu peux changer, si tu peux t'améliorer, si tu peux te revoir, il faut te revoir. J'ai aussi peut-être ma part de responsabilité. En fait, c'est ça une communication dans un couple. Quand ça ne va pas, que tu communiques avec ton chéri, quand tu lui dis ce qui ne va pas dans le couple, il va aussi te dire ce qui ne va pas. Il y a peut-être un comportement de ta part qu'il n'apprécie pas. Il va aussi te dire, si je me comporte comme ça, c'est parce que tu fais ça, je n'aime pas. C'est pour ça que je me comporte comme ça. Donc, je veux dire, la communication, ça vous emmène, vous deux, à avoir votre part de responsabilité dans votre couple. Et ça, c'est très important. Ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet de vous améliorer. Vous avez compris? Ne restez pas dans la peur, les femmes. Arrêtez de tout garder. Vous gardez, vous ne parlez pas à vos hommes. Et vous êtes mal dans votre relation. Vous subissez dans votre relation. Un homme qui est en train de se comporter, quand il n'est pas conscient de son sale caractère, s'il n'est pas conscient du mal qu'il te fait, mais si tu ne lui en parles pas, comment est-ce qu'il peut être conscient? Même s'il ne t'aime pas, mais le fait de parler avec lui, le fait de lui montrer ta personnalité, le fait de communiquer avec lui, ça va l'emmener peut-être à t'aimer. Ça va l'emmener peut-être à changer sa façon de te voir. Parce qu'il voit que tu es une personne qui communique. Il voit que tu es une personne, tu as des valeurs, tu as des principes. Et il y a des principes que tu ne peux pas accepter. Il y a des laisser-aller que tu ne peux pas accepter. C'est ça une relation amoureuse. C'est ça une relation amoureuse. Un homme qui t'aime, il ne t'est pas le projet. Je m'appuie vraiment sur le projet. Ce projet-là, je tiens à parler vraiment de ça parce que c'est très important. On ne vous a pas dit... Quand tu es avec un homme, 3 mois, 6 mois après, il doit te parler mariage, il doit te parler fiançailles, il doit te parler d'autres. Non, non, non. Un homme même qui commence comme ça, là, ce n'est pas bon. Mais un homme avec qui tu es, ça fait des années. Cet homme-là, il doit commencer maintenant à parler projet. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous êtes ensemble. 10 ans, vous êtes ensemble comme ça. Cet homme-là, il doit parler projet. C'est tout à fait normal qu'il parle projet. 1 an, même 2 ans après, cet homme-là, en fait, le projet, ce n'est pas forcément mettre appliqué tout de suite, non. Le projet, en fait, c'est préparer. Même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, mais au moins s'il en parle. Au moins, il en parle. Le plus important, c'est d'en parler. Mais quand un homme n'en parle pas, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que quand un homme ne parle pas projet, là, c'est pas bon. Vous êtes dans la relation depuis combien de temps? Il ne parle pas projet. Tu sens même que ce n'est pas un sujet qu'il aborde. Il n'aborde même pas ce sujet-là. Il parle de tout, mais ça, là, il ne dit pas. C'est pas bon. Ça, là, c'est pas bon. C'est que c'est un homme qui ne se voit pas avec toi. C'est un homme qui ne se voit pas avec toi. Parce que c'est ça. Parce qu'il y a des hommes qui disent, oui, mais tu veux que je parle projet, pourquoi? Quand je serai prêt, je vais te parler. Pourquoi tu veux que je parle? Non. Quand tu parles projet avec une femme, ça ne veut pas dire que tu lui dis, oui, demain je t'emmène à la mairie, ou bien demain je vais te doter, ou demain je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est une façon de lui montrer que ma chérie, tu peux avoir confiance en moi. Ma chérie, je tiens vraiment à toi. Ma chérie, je t'aime vraiment. Voilà, en fait, tu lui montres qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble que comme ça. On est ensemble, mais j'ai des projets avec toi. En fait, j'ai de bonnes intentions. En fait, c'est une façon de rassurer la femme. C'est une façon de la mettre en confiance. C'est une façon de lui dire que je t'aime. Ne t'inquiète pas, même si ce n'est pas maintenant, mais j'ai ça quelque part là.
Je pense à ça. Voilà, c'est ça. Mais un homme même qui ne parle jamais de ça, un homme même qui n'a même pas envie que vous abordiez ce sujet-là, ma chérie, c'est que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens confondent, les femmes, elles confondent l'amour et l'attention. Un homme, quand il... L'amour et l'attachement. Un homme, quand il est juste attaché à toi, ça veut dire que c'est un homme, il aime bien ta compagnie. Ouais. Il aime l'instant présent comme ça, mais sans plus. Sans plus. Voilà. Mais un homme qui t'aime, en plus de ta compagnie, il se voit avec toi dans le futur. Il se projette avec toi. C'est ça l'amour. Donc, quand un homme est juste attaché à toi, quand toi-même, la femme, tu sens qu'un homme est juste attaché à toi, tu dois changer de comportement. Tu dois changer ta façon de faire. Tu dois changer ta façon de te comporter dans la relation. Parce qu'en fait, les hommes, moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous, les femmes. Je dis, les hommes, quand vous leur montrez trop que vous avez peur de les perdre, quand vous leur montrez que vous les aimez trop, ça les rend fainéants. Ça ne leur donne pas envie de s'améliorer. Ça ne leur donne pas envie de passer d'étape à étape. Non. En fait, ils sont là parce qu'ils se disent, vous êtes acquise. Vous êtes acquise. Elle m'aime trop à la folie. Elle est trop folle de moi. Donc, celle-là, même si elle ne parle pas projet avec elle, même si je ne m'occupe pas d'elle, elle est fond de moi. Elle est folle de moi-même. Elle va aller où? Et puis, elle est là. Vous n'évoluez pas dans la relation. Il se fout de toi. Parce qu'il sait que tu l'aimes trop. C'est-à-dire que tu lui as trop montré que tu l'aimes. C'est-à-dire que souvent même, il a des foutaises sur toi. Il a des foutaises même sur toi. Mais tu acceptes ces foutaises-là. En fait, tu acceptes ces foutaises-là parce que tu l'aimes trop. Tu as tellement peur de le perdre que tu ne lui dis pas. Quand il a des foutaises, tu ne lui dis pas, hey, moi, foutaise, ça, là, ça ne marche pas avec moi. Je t'aime, hein. Mais si c'est comme ça, tu veux te foutre de moi, je pense que chacun va prendre son chemin. Parce que je n'ai pas envie qu'un homme se foute de moi comme ça. Toi, tu ne lui dis jamais ça. Il se fout de toi ou tu acceptes. Il va se foutre de toi lundi. Mardi, c'est toi qui vas l'appeler. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quelle façon d'aimer ça? C'est quelle façon de ne pas avoir confiance en soi-même? C'est quelle façon de se sous-estimer comme ça? Un homme qui se fout de toi. Et tu n'attends pas que lui t'appelle pour s'excuser. C'est toi encore qui va l'appeler pour t'excuser. C'est toi encore qui va vers lui. Mais pourquoi? Quand tu te comportes comme ça, mais ça veut dire que tu te dévalorises. Tu te dévalorises. Tu lui montres même que tu n'es rien du tout. Tu lui montres même que tu ne mérites rien. Que toi-même, tu es là comme ça, tu es là pour lui. Que sans lui, tu ne peux pas trouver mieux. Sans lui, tu ne peux même pas reconstruire ta vie. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez de vous comporter comme ça dans vos relations. Moi, je dis, la femme, elle doit savoir contrôler ses émotions. Elle doit savoir contrôler ses sentiments. Parce que toi, une femme, tu dois tellement t'aimer. Tu dois tellement te considérer que quand tu es dans ta relation, quand il y a des écarts de langage, quand il y a des manques de... C'est-à-dire qu'il y a des manques de respect, toi, la femme, tu dois restaurer ce respect-là. Tu dois restaurer ce respect-là. Voilà. Père, respect qu'il y avait au début et puis c'est quitté là. C'est fini là. Quand ça commence comme ça, toi la femme, tu dois faire comprendre à ton homme là que toi il y a des foutaises, tu ne peux pas accepter. Mais vous ne faites pas ça. Vos hommes se foutent de vous, vous êtes là. Vous mangez dans leurs mains. Vos hommes se foutent. C'est-à-dire que dans votre relation, dans une relation amoureuse, c'est la femme qui doit se faire désirer. Toi, une femme, tu dois te faire désirer dans ta relation. Mais toi, dans ta relation, c'est ton homme qui se fait désirer. Toi, tu ne te fais pas désirer. C'est-à-dire que toi, tu joues le rôle de l'homme et ton homme, il joue le rôle de la femme. Mais un homme comme ça, là, ta relation même, là, ça va prendre un coup. Hein. Ta relation va prendre un coup. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, les hommes, ils ont l'instinct animal. C'est-à-dire qu'ils sont un peu maso. Ils aiment un peu douter quand ils sont dans leur relation. Ils aiment un peu quand ils sentent que leur chérie n'est pas accessible. Quand ils sentent qu'elle n'est pas acquise. Ils aiment ça. Et c'est comme ça qu'ils cherchent à te séduire. C'est comme ça qu'ils posent des actes pour te montrer qu'ils t'aiment. Pour te montrer que c'est eux. C'est eux que vous devez choisir. C'est ça. Mais vous ne créez pas le doute quand vous êtes dans vos relations. Vous ne créez pas le doute. Vous êtes trop acquise. Vous avez trop peur. Vous êtes dans la relation comme ça et vous subissez. Une relation amoureuse, on est censé être heureuse. On n'est pas censé souffrir. On dit l'amour fait mal, c'est vrai. Mais pas comme ça, pas à ce point-là. L'amour fait mal, mais en général, l'amour fait du bien. Et après, ça fait mal. En fait, il faut que ce soit un peu pimenté, il faut que ce soit sucré. Mais beaucoup sucré, avec quelquefois quelques piments. C'est ça l'amour. Mais quand toi, tu es dans une relation et puis c'est trop pimenté. Trop pimenté, il y a petit sucre seulement. Tout le reste là, c'est piment là, c'est pas bon.
Ça, là, c'est pas bon. Vous avez compris? Votre coach choco, votre coach caviar, votre coach champagne, il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Il n'y a pas aucun. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes d'accord, là, je vais voir les cœurs. Si vous êtes d'accord, là, je vais voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. On dirait que vous n'êtes pas trop satisfaite, là. Vous n'êtes pas trop satisfait, on dirait. Je ne vois pas les cœurs. Je vais voir les cœurs. Ouais, vous êtes satisfait. Je vois les cœurs, je suis content. Mais je ne vois pas bien les cœurs là. Je vois vrai cœur. De toute façon, vous êtes bon devant direct là. De toute façon, vous êtes full devant direct là. C'est comme ça, je vois cœur. Ok, c'est propre. C'est propre. C'est ce que j'avais à vous dire. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Mais je ne peux pas tout dire. Je vous ai dit juste. Les points clés, c'est-à-dire que les grands points, voilà, les grandes lignes, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a d'autres choses, ça je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire si vous avez besoin de savoir, vous rentrez en contact avec moi pour les séances de coaching. Parce que je ne peux pas donner tous mes secrets ici. Si elle donne tous mes secrets, il y a mangé quoi? Est-ce qu'il y a des clientes encore? Non. Donc c'est ça. Donc j'ai trois séances de coaching. Trois types de coaching. J'ai un coaching par appel, téléphonique ou WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Oui. Et puis j'ai un coaching de rencontre. Ça veut dire qu'on se voit et puis on parle. Yeux dans yeux. Face à face. Et puis on se coumant. Voilà. Donc si vous êtes intéressé là, vous rentrez en contact avec moi. Mes séances durent 45 minutes. Ma séance de coaching dure 45 minutes. Vous avez compris? Alors pour payer, il y a trois possibilités de paiement. Tu peux payer en ligne sur PayPal. Tu peux payer par virement bancaire et tu peux payer par mandat. Maintenant, si vous êtes en Afrique, tu peux payer sur Orange Money. C'est-à-dire, si vous êtes en Côte d'Ivoire, tu peux payer sur Orange Money. Tu fais un dépôt sur Orange Money, puis je te prends. Vous avez compris? Votre coach choco, votre coach champagne, votre coach caviar, il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. La coach d'actualité, la coach des temps modernes, c'est-à-dire que la coach qui vit avec son époque, la coach vraie, c'est ça qui est celle qui est devant vous là. Appréciez un peu. À bisous. À bisous. Mouah. Mouah. À ciao, ciao. Allez.